Le 4 septembre 476, tout bascule à l'Occident. Romulus Augustine abdique, dernier empereur déclinant. À l'Est, Byzance survit et s'agrandit sans fin. Sous Justinien, l'Empire prospère, bâtisseur et souverain. Charlemagne à l'Ouest, dans sa chapelle palatine. Justinien à l'Est, bâtissant sainte Sophie divine. Deux empires, deux destins en miroir, l'un à Byzance, l'autre en pleine gloire. Charlemagne, roi des Francs, par ses conquêtes, un empire fonde. En l'an 800, il est couronné. Une nouvelle ère gronde depuis Aix-la-Chapelle. Il gouverne avec soin. Missi Dominici parcourt ses terres au loin. Charlemagne, roi des Francs, par ses conquêtes, un empire fonde. En l'an 800, il est couronné. Une nouvelle ère gronde depuis Aix-la-Chapelle. Il gouverne avec soin. Missi Dominici parcourt ses terres au loin. Charlemagne, Charlemagne à l'ouest, dans sa chapelle palatine. Justinien à l'est, bâtissant sainte Sophie divine. Deux empires, deux destins en miroir, l'un à Byzance, l'autre en pleine gloire. Mais l'empire de Charlemagne est bientôt divisé. En 843, ses petits-fils se partagent son héritage brisé à l'est. Byzance s'efface. En 1443, elle tombe. Deux empires glorieux, désormais dans la tombe. Charlemagne, Charlemagne à l'ouest, dans sa chapelle palatine. Justinien à l'est, bâtissant sainte Sophie divine. Deux empires, deux destins en miroir, l'un à Byzance, l'autre en pleine gloire. De Charlemagne est bientôt divisé. En 843, ses petits-fils se partagent son héritage brisé à l'est. Byzance s'efface. En 1443, elle tombe. Deux empires glorieux, désormais dans la tombe. Mais l'empire de Charlemagne est bientôt divisé. En 843, ses petits-fils se partagent son héritage brisé à l'est. Byzance s'efface. En 1443, elle tombe, deux empires glorieux, désormais dans la tombe.